ouais, crime, monde qui touye monde, non. Crime, non, ici, aux États-Unis, c'est tout ce fait qui contraire à la loi. Et ça, il a reproché l'ancien président républicain, c'est le fait que tu as essayé en 2016, la campagne électorale, la campagne présidentielle, tu as essayé de chercher, et bien, acheter silence, un acteur pornographique, en parlant de Stormy Daniels, que l'Italien, il t'a pas acheté silence pour madame, ça n'a pas dit qu'il était en relation amoureuse avec elle. Donc, il t'a allé, donc il y a falsification. Il y a reproché des scrutins, il y a falsification qui fait dans quelques dossiers pour cacher toute cause et ça. Et procédure-là qui commençait jeudi dans New York, et l'ancien président te paraît tout, et il a fait quelques déclarations, il dit que ça qu'a fait là, c'est une attaque contre l'Amérique. C'est une attaque contre les États-Unis qu'a fait, parce que son bagage que il n'y a pas jamais avant ça, et il critiquait le mouvement ça qui voulait eh bien, attaquer là. Qu'on y a qui ça gagne en processus ça, processus ça, c'est que qu'on y a, il va faire choix jury. Combien a choisi? Il a choisi 12 d'une part et 6 suppléants. Il y a un paquet de raisons qui fait yo capable de faire ça. Et Mounsayo, il a posé une pile question parce que yo t'a aimé que Mounsayo qui pral participer dans membre jury, dans jury, c'est yo capable de gagner et yo pas nan passe pour qui. Ça veut dire pour que jugement capable un jugement équitable. Donc, jodi a gros nouvelle là, c'est apparition et que ancien président Donald Trump fait dans un tribunal dans New York côté que yo pral fait yon formation jury côté que yo pral mette campé jury, mais ça capable prend et plusieurs jours selon et spécialiste. Donc il y a besoin 12 jurés avec 6 suppléants. Donc son dossier que il n'a pas su pour parce que ancien président li actuellement là li nan campagne électorale, bien que nous connaît que officiellement li poko candidat pour parti républicain dans l'élection 5 novembre 2024. Mais toute information, toute quatre figures, tout ça qui apparaît devant montrer que ben c'est lui qui pourrait représenter le parti républicain dans l'élection 5 novembre, même j'entends que c'est ta président démocrate qui est actuellement au pouvoir, Joe Biden, qui va représenter le parti démocrate là dans l'élection 5 novembre. Mais il n'est pas officiel. Mais ça n'a pas empêché que il fait campagne et il envoie Toya sous l'autre. Donc, pour ça, ça a déroulé dans un moment côté que, eh bien, ancien président républicain, eh bien, lui, en campagne, tout côté, l'a parlé de pour le reconquérir, pour le prendre revanche sur Joe Biden parce que, eh bien, ça a gagné 4 ans de ça, bioté face à face, mais qu'on y a pris le gain, il y a l'autre face à face encore entre Joe Biden, démocrate là, et républicain Donald Trump. Donc, il y a un dossier qui a demandé pour suivre. Est-ce que c'est un dossier si aujourd'hui est coupable, capable d'aller en prison? Il y a des gens qui disent même en prison, il est capable toujours candidat à la présidence. Ça, c'est une question sensible, une question qui demande pour. C'est moun qui gagne spécialisation dans le domaine pour aborder pour. Mais information, c'est comme ça. On nous fait un coup d'œil dans le pays d'Haïti en vendant dans le Moyen-Orient parce que bah, la tête chargée dans le Moyen-Orient. Et puis, on a fait un petit coup d'œil dans ce photo parce que demain, il y a un match Ligue Champion. Bah, la tête chargée, nous connaissons Haïti, pas négocier football. Et que ça bon, que ça pas bon, eh bien, il n'y a pas négocié football. Quand on parle de conseil présidentiel de transition, vendredi qui se passe là, eh bien, le moniteur t'est publié, ou bien t'es gagné, yon arrêté qui sorti dans le moniteur qui t'a parlé de formation conseil présidentiel de transition. Et pour mon pile analyse qu'a fait, qui dit que yon a voté le principe, ça veut dire gagné un conseil présidentiel de transition. Mais non, il n'y a pas nommé, il n'y a pas mettre mon nom dans arrêté. Ça veut dire beaucoup de choses. Et même accord politique et 3 avril là, accord politique 3 avril là, lui-même, Libanon, il n'y a pas fait le même genre que, il n'y a pas publié le genre que parti et qui formait conseil présidentiel là.
TVL là, donc ça fait un paquet tourné. Donc, accord 3 avril là, tombé, ou bien, même s'il pas tombé, même il prend pile coup, et puis tout, des résolutions octobre 2023, par la résolution 2699 là, qui n'est même pas d'accord. Le monde qui savait, au cap li, il a dit, le côté accord 2699 là, qui te prévoit mission multinationale pour sécurité en Haïti, il n'y a pas de problème. Donc, ça qui veut qu'on y a, eh bien, qu'on y a gagné parti politique, parti pro-identité, eh bien, il y a même, et il a levé la voix, il a dit que arrêté a nul et non avenu. Parce que, il n'y a pas respecté toute sa priorité à cheminer bail. Dans pile monde qui dit, mon observateur qui dit que dans pile tractation politique qu'a fait, en pile tractation politique qu'a fait, Premier ministre Ariel Henry, toujours président, toujours premier ministre, et toujours premier ministre parce qu'il dit que lui-même, lui annonce démission, mais démission là, avec effectif, le que gagne un conseil présidentiel de transition qui mettait sous pied. Donc, finalement, c'est lui qui même, lui-même avec conseil des ministres, qui a fait toute tractation, qui a réécrit, qui a corrigé, qui a amendé sous document ça, parce que pour yo, depuis avant ça, on a dit que document, conseil des ministres a dit que document gagne un pile et erreur légale, technique, constitutionnelle là-dedans. C'est ça qui fait que quand il y a un monde pour faire partie du conseil de transition, hein, conseil présidentiel de transition, eh bien, il y a un paquet de critères qu'on doit respecter, un paquet de pièces qu'on doit fournir. Et donc, ça veut dire que le conseil des ministres a un gros pouvoir, pouvoir vient plus qu'on y a que avant, parce que qu'on y a les mêmes folgain et c'est lui qui achemine les documents by presse nationale pour publier dans le moniteur, c'est lui qui a dit ça pas bon, ça bon, à quoi les corriger, les ranger, les fait tout bah, donc ça veut dire que qu'on y a eh ben conseil des ministres lui-même l'a joué, des monde qui observateur qui dit ah conseil des ministres a joué a bien passé là. Mais et pendant ce temps, dernier parti, principal parti qui impliquait la formation conseil présidentiel de transition, il y a même qui levait la voix, dans pile qui prend la presse, dans pile qui a parlé. Mais tout il y a des spécialistes en question de droit, en question constitutionnelle qui ont même tout à opiné sur la question. Donc, faut nous dire tout, malgré tout ça, il y a plusieurs entités, plusieurs pays, plusieurs organisations qui battent bravo pour arrêter. Notamment, il y a CARICOM. CARICOM bat bravo pour arrêter. États-Unis bat bravo tout. Canada bat bravo et pour arrêter. Parce que le principe est adopté. Mais, nous, imaginez-nous, nous attendons que un spécialiste qui t'a parlé, qui dit que, eh bien, nous gagnons pour quelques jours encore pour nous capables de mettre conseil présidentiel de transition pour installer. Parce que, premièrement, nous pouvons gagner membre. Le principe est publié. Mais pour qu'on gagne composition, membre, pour qu'on vraiment, parce que yo gagne pour yo aller, pour yo fournir pièces, pour yo connaître est-ce que vraiment yo ka fait partie de et conseil présidentiel de transition. Bini, lui-même, il dit là, continuer à accompagner acteur yo, même Jean-Carré, comme dit même pareillement. Donc, yon situation que n'a suivi pour vous, qui est très important. Donc, c'est un petit peu ça. Et situation politique pays d'Haïti. Mais nous pas oublier tout, nous pas oublier tout que gagner l'autre monde qui continue à demander, l'autre secteur, l'autre mouvement politique qui continue à demander pour y aller dans la cour de cassation pour qu'on choisi un juge qui régulièrement est nommé pour capable de prendre tête transition. Et nous t'attendons par exemple ancien premier ministre Evans Paul qui dit que, qui j'ai fait que, coup de cassation sur ta travail, mais tout à coup, le président fait un deal régulièrement nommé. Des moun qui, secteur cap dit régulièrement nommé, qui dit que, eh ben, premier ministre Ariel Henry n'a pas de prérogative pour te nommer, par exemple, le président coup de cassation. Ça veut dire que le pas régulièrement nommé. Donc, c'est pour dire que dans pile débat qu'a fait, et ta coupe de dit le programme, c'est une cacophonie constitutionnelle, légale, administrative qui gagne dans le pays. Et ça veut dire que eh ben, et solution pour sortir pays dans ce lieu-là, eh ben, n'est pas pour demain, selon
plus de. Donc, très naturellement, VOA Créole, lui-même, la suivre, dossier ça pour nous, de très près. Donc, nous avons pile justice, nous sommes sortis dans Donald Trump et dans New York, qui lui-même a fait face à 34 chefs d'accusation, et puis qu'on a nous venons dans le conseil présidentiel de transition, qui sont question la justice encore. Qu'on y a un aller dans l'international là, et bien, et gros nouvelle là, c'est attaque que Iran fait contre Israël, sorti dimanche pour ouvrir, sorti samedi pour ouvrir dimanche. Donc, en pile la Pérez, après attaque sa fête, en pile la Pérez pour que, et bien, il parvi une guerre entre Israël avec Hezbollah dans le Liban. Et nous connaissons que dernièrement là, il y a Ismaël Haniyeh, qui c'est leader suprême Hamas, et bien, il y a trois petits pays qui mourent dans l'attaque aérienne, dans l'attaque que l'armée Israël a fait, côté M. Pédit. Trois petits, et puis quatre petits. Et Israël dit, il n'a pas visé petit Haniyeh, mais il a visé petit trois nègres qui font partie de Hamas, qui ont des problèmes. Donc, mes situations ont été compliquées là. Et la France, c'est Emmanuel Macron, président français, qui dit qu'il a fait tout ça capable pour et violence n'a pas escaladé. Est-ce que pas escaladé déjà, il y a des gens qui posent des questions. Qui genre Israël va réagir? Qui genre Iran même? Et la réagir parce que Iran t'a toujours dit que la réagir après ça fait l'ambassade l'IA. Donc, ça veut dire qu'on y a une situation en pile yeux braqués sous région Moyen-Orient pendant que gagné guerre ça qu'a fait côté Gaza. Dans une situation difficile pendant que Israël continue à menacer une attaque. Et une opération militaire dans Rafah. Donc voilà le tableau pour région Moyen-Orient et qui s'est tête chargée. Donc on y a gagné les États-Unis qui impliqués de très près et gagné nous connaît tout que Égypte c'est là que en pile négociation a essayé fait pour ouais ce temps on cesse le feu dans Gaza. Et puis, il y a Iran qui vient encore dans le jouet là. Iran était déjà dans le jouet là. Et surtout avec M. Hezbollah. Il semblait que Iran supportait M. Hezbollah dans le Liban. Et frontière libanaise vient tourner une source de problèmes encore. Donc, ça que vous parlez, il y a escalade et violence. Vous parlez d'escalade. Et bien, il y a un pile signe qui a montré que la situation est très compliquée dans et question ça. Donc, et en gros, mais ça qui a fait actualité, il y a parlé tout de, par exemple, tu as cassé un tout en bas sur ça, à côté que il y a un fait monde qui t'a mort au Brésil, et il y a parlé de Haïtien. Donc, on a fait un chef pour nous, pour répondre si tu as toute information sous dossier ça, ce qui est un dossier important. Et pendant ce temps, il y a un programme alimentaire mondial qui a parlé de situation pays d'Haïti avec tout. Et crise gangou, gros crise gangou, non seulement gros crise gangou, mais il y a gardé l'avenir, dans le jour qui a passé aussi, il n'a pas vint plus grave, mais en attendant, le programme alimentaire mondial dit qu'il a fait tout ça capable, malgré violence, malgré problème, pour yon même ouest, dans quelle mesure qu'il est capable d'aider les gens qui n'ont pas gangou. Moi, quoi, en gros, c'est là que j'ai été fait dans détente là, et son visite docteur, et Jean-Aubert éventuellement qui avec nous. Mais Konya m'a rappelé nous que dédié nous ça haïtien pas négocier football. Donc gon bouillon boule semaine ça dans Ligue Champion. Ligue Champion c'est championnat club qui plus prestigieux dans le monde. L'on parlait de Ligue Champion et même le pour qu'on ballon d'or là et ben Ligue Champion sont éléments clés là-dedans. Et nous t'as pronti j'ai parlé là moi-même Jean-Marc Hervé Abela avec Fred Kalimit nous t'as parlé de question Ligue Champion. Est-ce que Mbappé a sauvé les Barça? Barça vient pour jouer demain contre Barcelone. N'a pas plus que Barcelone Paris Saint-Germain était perdu 3-2 dans le match aller dans le Stade de France là. 3-2. Est-ce que client Mbappé capable de renverser cette situation et Paris Saint-Germain qualification dans le Stade Barcelone là? Ça, c'est l'autre gros causé pour la loi. Donc, pas oublier, demain, on a gagné quart de finale retour. Gen Borussia Dortmund, et le club allemand, ça a joué contre Atlético Madrid, qui est un club espagnol. On a rappelé que dans le match aller,
Eh bien, il y a Atlético Madrid qui était calé Borussia Dortmund 2-1. Donc, Borussia et Atlético Madrid allaient avec un avantage, un bénéfice de un point. Donc, il y a bien match tout après-demain, on a parlé de 17, entre Real Madrid qui était fait match 3-3 avec Manchester City, il était fait match dans le stade Santiago Bernabéu, et qu'on y a mais Real Madrid qui va le déplacer, qui va chercher qualification en Angleterre, car Manchester City, qui sont un gros morceau. Est-ce que vraiment Vinicius Caballo, Real Madrid, Galactico, fait exploit ça pour aller qualifier en Angleterre? Donc, et patient, après demain, cap 17 avril, ou capable de connaître. Et puis, on a l'autre match tout. On a l'autre match très important, c'est Arsenal-Bayern Munich. Match à l'air, t'es fini 2-2 entre Arsenal avec Bayern Munich. Donc, qu'on y a là, et il y aura joué match retour. Eh bien, c'est tête chargée pour aller gagner bouillon. Donc, la vie faite de tout ça, la vie faite de politique, il y a HMI là tout. Après que les vendredi, nous avons double HMI, pas double HMI, mais nous avons une nouvelle sauvegarde avec deux volets, avec Jude en bord et Rodriguez en l'autre bord. Et Jude surtout parlait de HMI là, donc industrie et musicale, c'est non. Et puis, nous parlons tout de football, nous parlons de Ligue des Champions, qui après le match retour, c'est pour demain, a commencé demain avec deux matchs, et puis avec et mercredi pour boucler, pour être capable de prendre dernier carré. Et puis, nous parlons politique tout, nous parlons politique, nous parlons justice, nous parlons d'élections ici aux États-Unis, 2024, son année électorale ici aux États-Unis, et nous parlons de situation dans le pays d'Haïti. Crise politique là qui est capable de joindre une solution parce que même le conseil présidentiel de transition n'est pas capable de former. Bon, il y a un pile monde qui dit que la communauté internationale dit c'est un bon pas dans la bonne direction parce que tout simplement eh bien, le principe de conseil présidentiel de transition est illégal parce qu'il est publié dans le journal Le Moniteur. Mais qu'on y a membre besoin, est-ce que qu'on y a une question de carnet pour le bail? Et qui manque qui va aller, qui manque qui va aller. Condition opposée déjà, bien que parti prenant non et formation conseil présidentiel de transition, ils ont même rejeté et arrêté concernant conseil présidentiel de transition parce que ils ont accord politique qui ont été joint, mais accord politique là, pour tout le monde, il y a un problème parce que depuis que tu fais pas partie du conseil présidentiel de transition ou d'accord que mon mission, multinationale pour soutien et sécurité dans le pays d'Haïti. C'était une bonne condition qui dégage. Mais il arrive que monsieur, là, il fait entente là, là, il fait accord politique là, et bien, ouais, comme si dossier ça arrive par là, donc, comme si, et résolution octobre 2023 par là, de 26-99 là, et bien, il a mis à côté. Donc, ça a fait un problème. Mais nous quittons ça dans le à monde qui analyse politique. Peut-être que Fondé Denis Julien a fait une petite analyse pour nous, là, pour nous dire, pour nous comprendre la situation ça, dans le pays d'Haïti. Je vous remercie. Et conseil 7 membres. Nous, par contre, 7 membres, nous avons 9 nègres, 9 membres qui nous ont conseillé présidentiel. Et 9 membres, ça a marqué l'histoire pour le dire ça, pour lui. Très bien. Winder Bernard, on garde une pièce qui est importante et que le gouvernement mandé avec Nef Mounzayo et c'est un affidavit qui t'a dû signer par notaire et qui est pour avec résolution 2699-2023 qui t'est sorti dans le Conseil Sécurité Nations Unies sur ça qui est pour avec déploiement mission multinationale support et soutien qui t'a dû venir. Nous voulons parler des forces étrangères là. Il y a un ensemble d'acteurs qui participent dans le Conseil là. Tu as une position à l'encontre déploiement si là, ou tu dis non à l'occupation. Comment ouais, ensemble acteurs ça qui prend les têtes en bas, pour qu'on y a qui prend le charge, qui ont dénoncé Ariel Henry, là où tu fais des marches, là où tu fais des demandes, il y a une force robuste qui est venue dans le pays. Désir, même si tu as dit que ça, ou pour tes madame Yobaye, assure là, pour entrer, pour installer à faire. Ce n'est pas ce que nous que ça n'a pas chahé pour les gens faire. Parce que les gens ont des dignités. Son question posée dans c'est pour nèg qui est dignité. M'dazo ah ou cher pour dignité me connaît tel gars il va faire tel bagage. Je dis à moi pas trop doute. Bon m'ai un doute encore du tout. Parce que m'm dit ce bagage. Monsieur tout te connaît déjà que blanc voulait une intervention militaire.
et yon kon brisable en vle intervention militaire. Mais yon konne, c'est pas résoudre que nous pas ka résoudre problème sécurité. Nous gen Bukele qui c'est président Salvador, li propose ki aide li par rapport express que le gagne dans des trucs gang. Mais yon konne qui est tout qui met pli en état ça. Yon konne déjà annoncé et pour m'ajouter sous, pour m'ajouter pour, li déjà annoncé qu'elle gagne ensemble de militaire ou bien ensemble des soldats et matériel qui au Mali, il déjà dit ça au disponible pour venir en Haïti. Très bien. Et yo konnen bien qui alors yo konnen bien longue main la CIA dans sa capacité Haïti a. Son choix que yo fait. Premièrement, nèg pas nationaliste, deuxièmement yo pas dignité, troisièmement yo pas ici. Nèg ka comprendre que nèg yo tab nèg yo te transformer tête yo en cheval de Troie parce que toujours dit l'Occident pour gagner l'Occident faut nous l'Occident. Même pas aucun doute. Mais nèg ça on pas aucun confiance du tout parce que c'est nèg qui fait et refait et nèg ça toujours ba même résultat. Ou y'a là et ou pense que c'est un bout de papier notarié que nèg pas signer. Mais nèg qui mande yo gouvernement yo t'a mande yo pour signer ça gouvernement pas sérieux parce que gouvernement avec yo même boss. Ou y'a là ça pourrait avoir questionné. Qui ça fait que c'est désir qu'a bail Bernard Job. Et c'est Blaise Kabay Bernard Job et puis c'est Bernard qui a fait toute diligence pour que li entre dans job là. So ba ki ba comprendre. Bon, nèg yo bay CV déjà avec CARICOM. CARICOM est validé pour nèg yo. Tout ça nèg yo dit CARICOM, CARICOM dit oui. Mais kounya pour ça que international que nous connaît hein. Pour ça que États-Unis que nous connaît hein. Et Ariel Henry kay États-Unis encore. Pour que y ait toute pression ça ou bien réticence ça ou cap fait pour que nèg yo rentre. Bon temps nèg yo fait passer. Temps y a fait passer a moi m'pour ka comprendre ni, mais c'est l'illustration que m'ka bay que li pa l'intéresse CPA parce que le CPA vini budget qui t'a fini et nèg yo a bloqué automatiquement et ka capitriste dans nèg yo. J'ai crasé dans nèg yo et c'est là que m'nèg yo pralé parce que on the wall. Est-ce que nèg yo pa konnè yo pa gite d'accord pour force ta rentrer déjà. Ou yo te d'accord. C'est premier base qui te dit pour nèg yo entrer dans CPA. Nèg yo te d'accord et ça fait nèg yo entrer dans CP et nèg yo valider. Mais kounya m'a besoin aucun acte notarié encore parce que fa acte notarié qui va faire nèg yo respecter elle. Mais nèg yo koke ou madame. Nèg yo non mais nèg yo dit déjà. Kounya on dit Paul. Là voilà, c'est lui même qui ba nous na qui ba nous occupation avec et casse bleu dans le pays au lieu que l'était à l'île des préférés fout nous bâton ça avec casse bleu et c'est même casse bleu ça qui fait gang aujourd'hui à venir j'arrête venir expérience tout ça au dans le pays mais c'est même la voilà ça qui dans ce pays ça dit qu'on expérience avec blanc déjà et la voilà se fait déjà blanc pas pour peur la voilà et il y a un groupe qui t'a couru pour Guy Philippe mais aujourd'hui à Guy Philippe parce que c'est la bandi ou cassé prison et nèg yo cassé et écrasé plusieurs au commissariat yo font pile moun kou jusqu'à présent c'est population victime mais c'est des expériences que nous vivons déjà en 2000 ben natale si bon timon soso ça point ça c'est information ben c'est vérifié ou ben c'est observation c'est compréhension pas sur point ça ay na ka vérité là ay point parler pour dire Guy Philippe associé là avec bandi est-ce que son bagage c'est une information qu'on gagne ou ben c'est compréhension pas ben les petits pas observation pas. Comme si Blaise, et dans bouche, mon besoin connaît que gang yo dit c'est Guy Philippe qui président Bayoua. Comme si, pour essayer de nèg ap kraser prison, kraser commissariat, courir des monde, entrer dans l'hôpital, yo boule université, et puis yo dit président c'est Guy Philippe, et puis ou même yo dit président c'est Blaise. Mais Blaise va faut qu'il déclare que pour le côté Carissa. Ok. Non, mais bon, c'est question de bon sens. Kounya la, complicité que. Ba ka comprendre qui gagne dans gouvernement ça et avec la police. Des de police c'est pas gagne frère d'armes yo ka pendant yo pas ka prendre et bon chef de gang qui là haut mais le fait que chef de gang qui là haut dit au bras politique et bras politique quand connu ça va arriver sur lui. Ça veut dire que patron Guillo connaît Guy son pion lié dans ça qu'a fait là, yo pas bail l'autre pour ça fait aussi c'est que ça son bagage que tout monde ka comprendre son béa batelier. Soit c'est dans il pas annoncé ça c'est patron Guy. Qui est-ce qui patron qui soit avec ses bagues, patron, après se faire 6 ans en prison aux États-Unis? Mais bon, je Paul, Guy est même patron que le dégât en 2004. Même pour même, on est écrasé en 2004. C'est même lui-même qui patron, encore patron. Comme si, pour Guy Savin là,
grande motivation ba monsieur c'est amnistie que le connaît pas marché que le connaît pas marché sous aucune forme en sérieux comme si monsieur Sarah qui a mangé chair humaine sur réseaux sociaux yo m'bal ba yo amnistie et puis yo ba dans la rue a et puis frère Blaise tonton Blaise ma tante et ti Jacques qui victime ba menek sa ba le croiser et puis nek sa ba les là dans la rue a mais bon c'est son nouveau son l'autre forme de guerre civile et si on dit et mort né qu'il est et peut-être que gang pas comprendre pour comprendre mais dit capable qui comprendre pour comprendre ça tout mais il connaît que ça va marcher et pas pour ça raison moi Jean-Charles Kouti de guerre à tout lui maintenant technique ça que nèg yo ramassé là d'ailleurs nèg yo fait conférence de presse pour annoncer à depuis avant et des autres nèg yo doit faire yo annoncé m'pa di communauté nationale pas de bien dans des autres là ou bien pouvoir pas de bien dans des autres là tout parce que tout monde trois règles à faire mais en fait c'est on fait certain c'est que équipe Ouvé là équipe de Philippe là t'es dit c'est eux même qui responsable ça qu'a fait là yo revendique mais pour Maurice Jean-Charles pas faire Maurice Jean-Charles innocent tout songer dans dernier conférence de presse que Maurice Jean-Charles fait le 19 il déclarait il fait des autres dans tout moment qu'est-ce qu'a fait des autres c'est bandit qui a fait des autres dans la rue. Oui, non, ou correct, oui, ou correct, mais bon différence entre Guy avec Moïse. Dis-moi dans ça que Moïse Jean-Charles, si c'est bien la passé, il y a une immunité pour autant. Et immunité dans Megui, je dis à Guy, même la chasse immunité tout. Très bien. Regardez, je dis pas quoi y a un acteur non qui osait adresser problème nèg ak zamyo et avec atrocité ou bien et pour montrer que yo amer contre nèg ak zamyo. Est-ce que vous pensez il t'a pas le propice dans moment pour Guy te gagner soit un discours à l'encontre des gangs parce que en pile moun yo garder Guy qui gagne un discours de masse. Et yo gade bandi yo tout comme moun ki fait partie mas nan, est-ce que c'est pas discours guia qui pratiquement rive sur nèg yo qui fait dire que yo ka pi vite fait confiance parce que OMC son nèg qui gen oui ak non lèl di la fon bagarre la fè lèl di l pa fè li pa fè alors c'est pas on pa fin jou totalement comme si analyse c'est pas bon non mais et pas compréhension pam nan ça puisque comme des souterrain parce que si était vrai à sodi à 100% et le Guy entre Haïti et Port-au-Prince avec 2-3 BSAP dans deux machines, Gangou a commencé à frapper et il t'a pas affaibli pouvoir. Et le ça, en réalité, ça a tout mal fait dans le pays. Parce que le peuple a été connu et Guy Tapla, il était sorti, deux BSAP seulement. Imaginons que si G9 était campé, ça a passé. Ça pas empêché qu'il y a un BSAP qui est victime quand même. 7 février. Et vous imaginez si Bandi yo t'attendez Bernard. Vous imaginez si Bandi yo t'es avec Guy, dans le moment, Ajambé Sap sa ou pas tap mouri. 7 février, ta ou tap tout quitte parce que Ariel Henry lui même il était tout en couille, il était tout en caché. Ok. Ou y a là, jeune mais. Ou y a là, et si c'est le Guy replié, ça après replié ma Guy, semaine après semaine que il va venir avec une nouvelle stratégie ça. Pour moi-même, mon autre contrat qui vient fait entre Guy, mon contrat qui va le fait entre Guy avec et monsieur Azamio. Parce que, mais Pierre Espérance, c'est que tu as parlé de ça. Pierre Espérance, c'est que tu as parlé de ça. Pierre Espérance, tu as dit que Guy entendu avec Gagnon, c'est pas dans un discours Guy où Guy montre le problème d'insécurité qui gagne dans moins de 90 jours, il a résoudre si gagne un fusionnement entre BSAP, la police et l'armée, il a résoudre le problème d'insécurité qui gagne quand il t'a montré qu'il n'est pas en question. Et force internationale là pour venir d'un pays ou estimer si Guy te gagne liaison avec Bandio, il t'a au moins ouais en fusion entre la police, BSAP et l'armée pour affronter Bandio pour résoudre le problème non? Comme monsieur Sotite là, c'est un mal pays là. Et monsieur Sotite là, c'est un nèg et faut mettre le sous place publique on le pour juger monsieur. Et ça me s'est dit moi même pas prendre trop au sérieux. Et même toujours analyser à midi parce que c'est son agent CIA qui lit dans l'autre bagaille. Et même j'ai fait ça pour moi même neuf oui même j'ai fait ça même c'est que pas parle mais pour moi même moi était dans fait et dans fait que moi était c'est que
alliance qui avec gang yo c'est après sur web bay c'est après sur web bay ça pas marché et comme nèg besap yo même yo comme dit ça yo pas prêt pour bay tout zio mais monsieur gang yo connait au condamné déjà au prêt pour bay tout zio dans ça dans bataille que t'a mené et pour comme sous